Hey, salut YouTube, ça va? J'espère. On continue avec Roland Cœurvaillant. On est parti pour... Oh là là, je vois une cible. Je vois une cible potentielle. On a aidé à prendre la forteresse ici. Il se débrouille, nous on a fait notre devoir. Ouais, j'ai bien envie de me battre. Hein. Mais là pour le coup... Alors j'ai bien envie de me battre, mais... Ils sont en train de me courir dessus. Ce qui ne sent pas bon. Pas bon du tout. Pourquoi il me court dessus? Parce que normalement j'ai l'avantage là, non? Il semblerait que non. Après là, si je peux faire un bait où je me mets là, et les mecs ils sortent de la forteresse, je les chope. Ouais non, vous voyez, j'ai l'avantage. Non mais j'ai envie de me battre contre eux là. Vous avez entendu des rumeurs concernant un pacte secret conçu entre les factions impériales rivales afin qu'elles puissent allier leurs forces contre les ennemis de l'Empire. Oh, c'est stylé, c'est stylé. Il y a plein de cinématiques que j'avais jamais vues. C'est trop bien. Une conspiration s'élève contre moi. Et il va falloir se battre. Alors, plan d'Istiana. Istiana est au fait du développement de Lavland. Les rumeurs affirment qu'elle compte stopper votre progression. Préparez-vous. Puissance de la conspiration, on voit qu'elle est déjà à 1000 et elle va augmenter avec le temps qui passe. Elle est peut-être déjà à 1000 parce que j'ai un personnage de clan à assez haut niveau peut-être. Si j'avais été un clan plus bas, peut-être que ça aurait mis plus de temps et que ça serait parti de zéro. Si j'avais eu un clan de niveau, je sais pas, 6 peut-être, ça serait déjà fait. Genre en un instant, paf, la conspiration aurait été lancée. Aucune idée. Mais en tout cas, ça commence à moitié. On va me donner le château. Château qui va tomber. La prospérité est dégueulasse. En soi, je vais m'abstenir. Si ça peut partir au roi, ça part au roi. Ils me l'ont donné. J'aurais dû voter pour le roi. Merde, ils sont beaucoup là. Bon, direction Varsheg. J'aurais bien aimé choper ce seigneur, mais tous les prisonniers et tout, ça me ralentit trop. À tout moment, je me fais défoncer. Par contre, là, il y a un village à défendre. Ah, mais je vais pas avoir la bonne vitesse pour les rattraper. Ah, c'est bon. Un camarade a sauvé mon village. Si ton frère se marie, c'est pas la fille qui rejoint ton clan. Si. Mais, si je marie mon frère à une chef de clan, alors mon frère va aller dans l'autre royaume. Oh les bataniens qui nous déclarent la guerre. Oh là 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 là, ça sent pas bon tout ça. Oh là 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 là. Bon. Je vends tous les prisonniers. On est tranquille. Au niveau des troupes, est-ce que j'ai à recruter? On va prendre des tireurs d'élite, c'est pas plus mal. L'équipement, là, il faut vendre du bordel. Hein. Il faut clairement vendre du bordel. Ça, c'est pas une bannière tier 3, du coup, je la tège. Qu'est-ce qui me pèse autant dans mon inventaire, là? La bouffe? Je pense, mais bon. La bouffe et tous les matériaux qui me permettent de craft et tout, ça commence à faire pas mal à force. Bah je vais juste en livre vider un petit peu comme ça et puis terminer. Allez, on va mettre un peu d'armure sur les alliés. Pour le coup, ça peut être un peu pas mal. Ça peut être pas dégueu. Hop là, camarade, tu vas prendre ça. Avec ça. Est-ce qu'il y a des casques là-dedans? Visiblement pas de casque. Des petites bottes brillantes là. Fais-toi plaisir. Spartiate, quel est votre métier? 1500 bits, 1500 bits, 1500 bits. Bâti qui claque 1500 bits. C'est très gentil, ça fait beaucoup. Beaucoup de bits tout ça. Bonsoir capitaine, petit soutien pour ton taf, toujours un plaisir de te suivre. Bon live à tous. Merci Bâti, c'est très gentil. C'est très gentil, merci pour les 100. 1500 bits. C'est énorme. Merci beaucoup.
Énorme, énorme. Merci. Le bug des lames plus grandes est résolu. Non, mais j'ai installé un bug, un mode. Ah oui, YouTube, je vous l'ai pas dit. Entre le live précédent et maintenant, enfin entre la VOD précédente et maintenant, je suis passé par Nixus, j'ai mis la nouvelle version de Battle Size et il y avait sur la page d'accueil le petit mode qui permet de fixer le problème de la garde qui est trop loin de la lame. Et donc je l'ai installé, donc on va pouvoir se forger une épée avec une lame un peu plus grande. OMG, il y a une nouvelle version du Battle Size. C'est juste une version qui fixe les bugs en siège, hein. C'est pas une nouvelle version, hein, qui va faire que du jour au lendemain le Battle Size va avoir des nouvelles fonctionnalités de dingue. Mais oui, ça y est, et du coup c'est très très bien. C'est déjà très bien qu'il y ait juste le fixe. Ouais, disons le monsieur que j'envoie en première ligne tout le temps, on va lui mettre une armure à lui aussi. Voilà. Les avant-bras. Ça suffira. Madame aussi. Hop, la petite armure. Les bottes, on peut lui en mettre. Voilà, le monsieur ici, on va lui donner ça et lui donner ça. Il aimerait avoir un petit bouclier, j'imagine, quand même. Même si le bouclier est rond et dégueulasse. Allez, des petits javelots. Tout le monde a un bouclier ? Tout le monde a un bouclier. Parfait. Madame, est-ce que tu veux ça ? Tu le veux, bien sûr. Voilà. Tout ça semble formidable. Allez hop, je les aurai un petit peu équipés, c'est mieux que... C'est mieux que rien. Tout ça, je vais déforger, je pense. Hop là, forge, fondre. Rendement. Ça peut me faire augmenter un peu mon niveau. Charme, j'ai gagné un petit peu. Augmente les gains de relation avec le sexe opposé de 20%. 2% de chance de, par jour d'augmenter votre relation avec un notable aléatoire de sexe opposé au sein de la colonie. Augmente les gains de relation avec le même sexe. Il y a plus d'hommes en Calradia, donc on va plutôt faire avec le même sexe. Et je suis déjà marié, donc bon. Franchement. J'ai l'impression qu'il y a plus d'hommes en Calradia. Hein. Mais là, par exemple, là, il y en a 3. J'ai rarement vu... En tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu plus de notables femmes dans une ville, par exemple. Un messager offre la paix pour négocier avec les Bataniens. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Tout le monde dit oui. Ah, ils nous ont extorqué de l'argent. Ils ont fait la guerre. Et puis paf, la paix. Je crois que c'est un truc qui est réglé dans le prochain patch de Bannerlord. Le patch 1.0.2. Moi, je joue à 1.0.1. J'aurais peut-être dû mettre le 1.0.2 pour le coup. Mais au moins ça nous permet de continuer la guerre. Pas plus mal. Varric qui a passé les 16 ans. Alors Varric, le moment est finalement venu pour l'enfant de voyager loin de la maison. Et j'ai dit que ça allait être un homme, un écuyer formidable, avec plein de vigueur et très fort au corps à corps. Voilà, et puis c'est un bon commandant aussi. C'est un très bon commandant et il a eu de la tactique, aléatoirement. Formidable. Parfait. Il y a un point de concentration, gratuit. Très très bien. Au niveau de mon équipement, tout ça, on est pas mal. Il y a juste les armes qu'il faut que je déforge. Ouais, je voulais faire ça. Hein. Mais j'ai pas de... Hop là. Et on va seulement faire les trucs qui donnent du bois. Genre ça, par exemple. Magnifique. J'ai gagné du bois. Voilà, pas mal tout ça. Pas mal du tout. Et après, je raffine le bois. Pour avoir du charbon. Perfecto. Petite question sur la force du tourisme, la technique du Pugio, tu trouves que c'est triché. Tu t'autorises la technique du Pugio. C'est-à-dire la technique du Pugio. Qu'est-ce que c'est que cette technique? Je ne connais pas. Ça ne me dit rien. Bon, en tout cas, on va venir aider le siège de
Omor, il semblerait que Omor est assiégé. Enfin, va être assiégé en tout cas. On y va. Allons-y, allons-y. Mon château est assiégé. S'il y a moyen de faire une belle défense, moi je suis pas contre. Ah, les alliés sont en train de défendre ma forteresse, voilà. Ils ont tué les attaquants. Les assiégeants. Le Pugio, c'est un petit couteau qu'on trouve en masse dans les villes impériales et qui, quand on le déforge, donne plein de métal, dont de l'acier fin. Et qui est ridiculement plus cher que le couteau lui-même. Ah, c'est un couteau avec un matériau très 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 goldé, mais qui ne vaut rien parce que c'est un couteau. Je vois tout à fait. Non, je ne fais pas. Je pense que ouais, utiliser ce genre de petite mécanique, c'est pas dans mon délire. Un moral élevé augmente le taux de soins de 15%. Pas mal ça. Augmente le taux de guérison de 20% lorsque vous vous reposez dans des colonies. Moral élevé, c'est-à-dire au-delà de 70% peut-être. Là, je suis pas un moral élevé pour le coup. Allez, moral élevé, on va dire. Oh là, dis donc. Vous êtes fait... Il y a des alliés qui se sont fait emprisonner, là. Ça ne va pas, ça ne va pas. Rien ne va plus. Putain, mais on est encerclé, là. On est en plein territoire ennemi, c'est scandaleux. S'il y a moyen d'en choper un. 3,2... Ouais, non. Oh, ils vont assiéger direct, là. Oh, les fadas. Allez, on va aider. Ça va être complexe. Pas facile à gagner. Je vais essayer de ne pas avoir trop de pertes. En plus, ils ont des catapultes en face. Ouh, ça va pas être grandiose, ça. Oh là là, l'armée ennemie qui arrive. Et si je m'en vais... Et je vais venir en renfort. Je les laisse se faire attaquer. Ils attaquent pas là? Ils attaquent pas. Attendez. Le but c'est que ce groupe là, il attaque pour que en arrivant avec mes renforts, je crée un surnombre. Mais là, ils n'attaquent pas. Non! Non, t'as pas le droit toi. Oh! Ah bah après, s'ils sont beaucoup trop, c'est sûr, on va perdre quoi, mais... 4,7, ils se déplacent. Moi, je suis à combien? Ouais, moins. 4,3. C'est compliqué, faut pas passer à l'assaut, les gars. Faut pas le faire, c'est une connerie. Ou sinon... J'aide. Je me mets proche de la forteresse. Et au moment où il lance l'assaut, je rejoins le combat, on prend la forteresse, et après on se planque dedans. Parce que là, compliqué, hein. Moi j'ai quoi comme armée? C'est pas glorieux, hein. C'est pas glorieux du tout. Ah, oh, quand même, si, il y a pas mal de haut niveau. Ah, si, quand même, pas mal de tireurs d'élite. Je peux me mettre en soutien sur le flanc. Ils ont beaucoup d'infanterie. Ah, si, il y a moyen. Mais bon, c'est chaud quand même, hein, d'aller aider là-dessus. Surtout s'ils ont d'autres renforts ou quoi. Je vais essayer de les empêcher d'avoir des renforts, mais. Ah, oh, mais je suis passé dessus, putain, je suis con! Oh là là, non, là, c'est trop. Oh, c'est la merde. Oh, ils vont fuir. Ils vont essayer de fuir. Oh, les gars. Ah, non, mais c'est terminé. Ils veulent passer à l'assaut. Oh, les armées s'affrontent. Ah, là, il faut les tabasser avant que les renforts arrivent. Hein. les gars, c'est chaud. Alors, le combat est ultra dur, là.
Une offre de paix est arrivée. Bon, on signalera la paix si on est dans la merde après. Mais j'aimerais quand même faire le combat. Parce que là, on a 680 troupes. Et eux, ils en ont plus que ça, mais ils ont que des recrues, quoi. Ils ont que des recrues, ils se sont fait tabasser. Ouf. Si on gagne ça, écoutez, moi j'ai envie de le faire ce combat, mais combat très compliqué. En vrai, il y a la paix à signer. Non, mais c'est connerie. On engage le combat, on voit que ça se passe mal. Repli, on signe la paix. Prédit ? Ouais, non, bah non, parce que je vais. Je prévois de me replier sur ce combat. Par contre, je veux me battre à distance et utiliser l'avantage de mes arbalétriers. Et voilà la gueule de la map ! Full brouillard ! Oh la non-chatte que j'ai eue. Ah non, non, j'ai pas eu de chance là. C'est pas grave. On y va. J'ai le wallhack quand j'appuie sur Alt. J'aimerais bien avoir un Alt qui me montre pas où est l'ennemi, tiens. Vous savez si ça existe comme mode, ça? J'appuie sur Alt, je vois pas où est l'ennemi, mais je vois où sont mes formations à moi. J'aimerais bien. Parce que ça aide d'appuyer sur Alt pour gérer son armée, voir les alliés, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu fort de voir l'ennemi à travers la brume et tout. Toujours je désactive ça, c'est chiant. Oh là là, les loupiotes à travers le brouillard, c'est trop stylé. Oh, il charge. Oh, je viens avec vous. On y va. Oh là là, ils sont enflammés. Mais il y a leur infanterie déjà. Repli. Feu à volonté. Oh la vache, mais ils sont beaucoup. Oh là 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 là. Retrait. Bon, mon épée contre les armures et tout là, c'est pas le top hein. Bon bah j'ai envoyé mon infanterie à la main. Oh, non mais ils sont trop. C'est perdu. Faut que l'équilibre des forces est pas mal. Non, on perd là. Allez, mes arbalétriers là. Défoncez. C'est magnifique ce qui se passe, de mon côté en tout cas. J'ai plus de cavalerie, j'ai plus d'infanterie.
Y'a moyen de revenir, j'y crois. C'était bien nul ça. Mais c'est un pote à moi ça. Il fuit, il fuit. Allez, on y va. Battez-vous. Reformez la ligne. Il va se prendre l'arme. Ah tiens. Ah battez-les. Bouclier. Avec moi. J'ai failli TK moi. Eh ben dis donc. Il y a un moment j'ai failli me replier. Mais bon là, on aura gagné au moins. Bon je sais pas si c'était worth it de jouer cette... Enfin c'est quasiment sûr que non, ça valait pas le coup de faire cette bataille hein. Étant donné que l'armée est complètement décimée, que c'est une victoire à la Pyrrhus et qu'après il y a les ennemis qui arrivent. Mais bon, ça m'aura fait gagner de la renommée et tout, et on aura vécu un beau combat. Il y a aussi ça, hein, le fait d'aller chercher des beaux combats. Et ça fait plaisir. Oh là ! Ah mais ça suffit. Où est l'ennemi là ? Ah, je manque encore un peu de dégâts avec mon arme à deux mains, je trouve quand même. Vraiment, il y a des coups... Il y a des coups, ça fait du 11 là. Ah ça manque un peu, hein, ça manque un peu. C'est ok, mais vraiment, il en manque. Ah, la musique, il continue? Je me demande si j'ai déjà entendu cette musique. Bon, alors lui, on lui met une estoc. Raté. J'ai plus de munitions. Allez, fusillez-le! Dernier là-bas. Ça gagne au moral là. J'avoue que le moral a beaucoup beaucoup aidé. Il y a beaucoup qui ont fui en face. Notre armée avait un moral bien meilleur. Et surtout j'avais des troupes bien plus d'élite. Ce qui a grandement aidé hein. Il y a eu 200 troupes qui se sont repliées en face. Nous seulement 52 entre guillemets. 14 des miennes. C'est sûr que ça a aidé d'avoir des troupes d'élite pour le coup hein. Mais c'est ça aussi le jeu, le moral. Ah ça se rejoue encore. Ah ouais mais non là. Là c'est non. Hein. Là c'est non. Double le palier d'interruption lorsque vous rechargez votre arbalète. Vos troupes, les troupes sous votre commandant voient leur palier d'interruption doublé lorsqu'elles rechargent leurs arbalètes. Ouais c'est ça en plus. En fait tu peux te mettre à courir plus vite. Je crois, c'est ça. Les arbalètes équipées ne vous ralentissent pas. Les troupes à distance, sous votre commandement, voient leur vitesse de déplacement augmenter de 5%. C'est vrai qu'ils sont très lents. Oh, moi, j'aime beaucoup ça. Et du coup, j'ai débloqué un petit point de compétence. Formidable. Est-ce que je ferai pas la forge? Allez, ça me déchire le cœur, hein, qu'on soit clair.
Ça me déchire le cœur. Mais on va faire ça. Il y a ce truc de... Roland, ça va être le forgeron de la famille. Et si on fait une dynastie millénaire, forgeron, c'est le mec qui va avoir forgé les armes légendaires de la famille. Et après, elle se passe d'héritier en héritier, vous voyez. Roland n'est pas fait pour être un personnage hyper opti. Un personnage polyvalent. Mesuré. Bon, pour le coup, ça va être la paix, par contre, là. Hein. Ça suffit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais... On a bien rigolé, mais c'est la paix qui est signée. Après, on avait grave l'avantage quand même sur la guerre au global, quoi. Mais les alliés ont fait n'importe quoi. C'est quoi sa tactique, hein? Comment sa tactique? C'était arbalète que j'étais en train d'améliorer. Du coup, j'ai perdu pas mal d'hommes. Je vais retourner chez moi, pour le coup. Ça aidera. Bon, oui, j'ai un château qui rapporte des sous, au final. Tribu de... Non, pas tribu, pardon. Dépenses. La garnison me coûte 125. Il n'y a pas de garnison, quoi. Et les deux villages me rapportent 128. 3 pièces d'or grâce à ce fief. 3 pièces d'or. Merci à tous. Ah non, mais il y a le château qui rapporte des sous en plus, je crois. Ah non, plus 76 avec le château, donc un peu plus. Ah, c'est vraiment... C'est vraiment de la merde, quoi. Tu vas continuer de jouer après la mort de Roland, bien sûr. Bien sûr, c'est le clan des cœurs vaillants qui est mis à l'honneur, même si moi, je... C'est Roland, mon... Oh, ils veulent déclarer la guerre à l'Empire occidental tout de suite, là. Je suis pas chez moi. Vite. Vite, il faut rentrer à la maison. Oh, calmez-vous, les gars, calmez-vous. Oh, merde, merde. Attendez. Calmez vos ardeurs. Oh là 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 là, la catastrophe. Mon territoire qui va partir en fumée avant même que j'arrive pour le défendre. Là, je pourrais recruter des archers bataniens sur tout le territoire, en passant. C'est ce qu'un joueur qui essaye d'optimiser sa game ferait. Mais moi, je retourne chez les Vlandiens pour me faire une armée Vlandienne. Offre de mariage. Avec qui? Gulasen. Un petit merdeux, quoi. Hors de question. Bon bah, le roi a déclaré la guerre. Vite! Vite! Dépêchons. Non, au niveau de l'espace, on est pas mal. Surtout les prisonniers qu'il faut que j'en... J'ai pas de prisonniers? Mais non, j'ai pas de prisonniers. Je deviens fou, je deviens fada. Ouais, et puis au niveau de l'endurance, j'ai rien. Je passe par où? Ouais, je rentre directement chez droit. Chez moi en ligne droite, tant pis. Ah ouais, j'ai confondu les prisonniers avec les blessés. Évidemment. Infanterie vlandaise, c'est chaud quand même. Ouais. Mais je m'en fous. je m'en fous. Justement, moi, si je peux me mettre 2-3 bâtons dans les roues en termes de difficulté de campagne, mon plaisir n'en est que décuplé. Parce que sinon, ça attend. Si je jouais tout de manière optimisée dans cette campagne, ça serait beaucoup plus facile. J'aurais déjà 4 territoires, en vrai. Donc, bon. M'en fous un peu, quoi. Mon plaisir, c'est dans le lore et comment la campagne se déroule et tout. Voilà, très bien, il a fait le vote. C'est bon, on a l'air d'être au bon endroit, au bon moment. On a l'air d'être ok. Oh, le pisteur, il a combien de compétences à comparer à mon... à ma camarade? Ma camarade, elle a... 121, ouais non, elle est meilleure. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite armure de canasson sympathique? La réponse est non. C'est dégueulasse. Ah, les champions de
Les champions fuyant Batania. Non mais ça, c'est de la merde, ça. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, mais bon. Oh, l'arbalète à 42 000 combattants, là. Oh, l'arbalète lourde, là. Hop. Là, on se la met dans l'inventaire, on verrouille. Et on garde ça. Au niveau des carreaux, il y a moyen d'avoir quelque chose de mieux. Absolument, il y a ça. Même s'ils ont un look dégueulasse. Comparé à ça. Oh, remarque. Fais voir un peu. Si je remplace par ça. Ouais, pourquoi pas. J'ai envie de dire. Pourquoi pas. Est-ce que j'ai un personnage qui est bon à l'arbalète? Je peux switcher mon arbalète entre lui et moi. Est-ce que quand un de nos compagnons meurt, son équipement revient dans notre inventaire, vous savez? Je ne sais pas. Non. Ah. Ah. Bon, on va viser le fait que mon personnage ne se fasse pas défoncer la gueule. On va... Je crois pas. Alors soit c'est des gens qui ne savent pas, soit c'est des gens qui disent... Ma question n'était pas la bonne. La question que j'aurais dû vous poser, c'est... Est-ce que l'équipement revient? Mais il semblerait que non. Tu l'as assuré? Ah non, j'ai pas assuré. Ça c'est ma femme. Mon compagnon qui a une bonne compétence à l'arbalète, c'est elle. C'est elle, c'est elle, c'est elle. Donc, madame l'exilée, je vais vous donner l'arbalète lourde. Et je switcherai. Je lui donne l'arbalète, je la récupère. En fonction de si on est en siège ou non. Il faut bien que je pense à pas lui donner l'arbalète. Et puis après, je crée un groupe avec elle. Ça serait con, ça. J'aimerais bien leur acheter des casques ou des trucs comme ça, mais la vérité c'est que j'ai pas assez d'argent. Il faut que j'accumule de l'argent pour l'instant. Et donc la réponse est non. C'est non, c'est non, c'est non. Voilà. Ça je vends. Et on continue à rentrer à la maison, je pense. Est-ce que je défends ma forteresse? Combien il y a de troupes en garnison? Oh, ça va, elle est bien défendue. Il y a presque 600 défenseurs. Non, 500. C'est plus de 500 défenseurs. Ça va, ça va. Moi, il récupère mes épluchures. Oui, en général, c'est ça, mais... J'aime bien leur donner un équipement full vlandien pour le lore. On en revient à ça. Même si c'est compliqué. Hein. Ah bon? Oh les bâtards, hein, ils vont me prendre mon château. Bah tant pis. Le château qui me rapporte 50 pièces par jour va tomber. Tant pis, tant pis. C'est la vie. Je vais prendre toutes ces troupes là et je vais les mettre en garnison. Ouais. Je vire ça, ça, ça. Ce qui est vlandais. Vlandier. Vlandais, pardon. Vlande. Ouais. Vlandais, non, vlandais. C'est bon. Vlandien. Ouais, mais c'était Vlandien, je disais avant. Faut que j'arrête avec ça. Je garde. Le reste, on tège. Beaucoup de troupes que j'ai dû virer pour le coup. Je m'attendais à en avoir beaucoup plus de la bonne culture. Il n'y a pas de niveau 3. Non. Hop, je récupère les lanciers, les fantassins, les arbalétriers, et on comble avec des arbalétriers. La cavalerie. Cavalerie, c'est important.
Je commence à m'orienter un peu vers la cave. Petit à petit. Et voilà. On est pas mal là-dessus. Tu vises quoi comme ville pour Roland ? Le truc à moi, on part de Charas et puis on s'étend comme ça là. Donc là, plutôt Horticia, pour le coup. Dans l'idée. C'est l'idée. Est-ce que je chevauche pour aller tabasser des seigneurs ? Je vais juste attendre un petit peu dans ma ville. Un tout petit peu. Et je vais déforger toutes les armes que j'ai. Hop là, fais-moi du charbon, madame. On y va. Voilà. C'est réglé tout ça. J'ai un nombre de lingots. Je sais pas combien pèse le l'unité de métal, mais 0,5. Bon, ça, à peu près ok. À peu près ok, quoi. Si j'ai besoin de thunes, je peux en vendre, en tout cas. Ça sera pas mal. Allez, on va au combat. Let's go. C'est dommage que les seigneurs cruels ne décapitent pas plus que les autres. Ça pourrait rendre au moins utile la décapitation. Tu peux te faire décapiter en tant que joueur par d'autres IA qui t'aiment pas. Si toi-même, tu es un mec qui décapite, je crois. C'est la seule occasion où les seigneurs décapitent, je crois. Mais effectivement, ça serait pas mal d'avoir ce truc où l'IA... se mettrait un peu à... Putain, j'ai eu un mort. À décapiter. Comme plein de choses, hein. On tourne souvent en rond sur le fait que... effectivement, plein de choses seraient bien dans Bannerlord. Tout ce qui rajoute de la profondeur au jeu, ça serait énorme. Certaines personnes préféreraient de la profondeur dans les batailles. D'autres sur la gestion sur la carte de campagne, gestion des villes. D'autres la diplomatie, d'autres les relations entre les personnages. Tout serait incroyable, je suis d'accord avec tout. Je suis d'accord, bravo. Vous avez raison. Tout le monde a raison. Oh, c'est vous qui avez eu des rebelles? De l'autre côté de la map. Et c'est vraiment dans le nord du coup qu'ils ont lancé l'assaut pour le coup. Ah bah il est peut-être temps pour moi de... C'est bon, je l'ai perdu le château. Mais non, ils vont sauver. Et pas besoin, j'ai pas besoin qu'ils soient sauvés. Oh, ils ont gagné, bravo. Il est peut-être temps pour moi d'aller attaquer Horticia. 4.1, 4.6. Jamais je le rattrape. Sauf si j'arrive à le... Oh, si j'arrive à le Keblo là-dedans. Ah, oh, il y a moyen. Ah non, merde, il va dans la ville. Je suis dégoûté. Pour moi, il allait tout droit là. Et après, il continue tout droit et paf. Je le bloquais ici. C'est perdu. Bon, les pillards, on les tège. Ça prend de la place pour rien, de la vitesse pour rien. Ça va m'empêcher de choper des... Ouais, y'a peut-être moyen que je les chope, là. Avec la vitesse que j'ai gagnée. Non ! Concentré, hop. Non, c'est perdu. La montagne ? Dans la montagne ? Oh, dans la forêt! What? Je suis vachement plus rapide que lui dans la nuit. La nuit et la forêt. Non! Non mais non! Oh, j'aurais bien aimé me défendre sur le pont pour le coup. Arrête de bouger. Oh là là! Lui il se balade dans la forêt, je le rattrape comme ça. Hop! Non! Ah, c'est la cata. Non! Non, j'ai raté.
Alors, j'essaie de choper les seigneurs, mais j'y arrive pas. Là, on est en chasse. Après, sinon, ouais, je forme une armée, je vais assiéger Artisia. J'ai pas regardé combien il y avait de troupes, c'est dommage. Allez, je vais en éclaireur chez vers Artisia. Et je la chope, et je me l'attribue. T'as oublié tes amis Kouzaït en effet, quel est ce fracas. Ah merde, c'est vrai. Oh tant pis. Ça suffit, ils se sont abattus assez longtemps, ils ont mérité le repos dans la forteresse. Ils ont mérité, ils ont mérité. Alors du coup, combien de troupes là-dedans? Salut, petit malerie. Waouh, 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 waouh. 750 troupes, sans compter le petit groupe qu'il y a dedans. Ça fait beaucoup. On va plutôt aider à siéger Vérone pour le coup. Hein. Ça sera pas mal. Bon, et dès que je peux choper au combat un seigneur de ce clan-là, eh ben je le chope et je le libère. Et il faut pas que je le capture. On y est. Alors non, ça va être très chaud. Il est très très rapide. Par contre, si j'arrive à aller le bloquer dans la montagne là-bas. Oh là là. Oh, il y a un monde. Il y a un monde où ça se passe. Il est vachement plus rapide que moi. Mais il y a un monde où je le chope. Il y a un monde où je le chope. Ne pas rater, là. Hop là! Non! Je ne vais pas garder mes distances, je suis là pour devenir ton ami. Voyons. Vous savez que nous sommes en guerre. Rendez-vous, vous mourrez. Hop là, je lui casse la gueule. Et après je le libère, comme ça il m'aime bien. Ça devient mon ami. Ah, il y a eu la réponse dans le chat. Je me place ici, puis c'est nickel. Let's go. Hop, hop. Et let's go. Allez, on va faire une petite ligne d'arbalétrier. On va utiliser le scatter around. Même si en soi, l'efficacité est pas toujours là, il y a quand même le style de placer les troupes avec les archers. L'efficacité elle est surtout là sur de la micro-gestion de fou ou pour les sièges. Et dans les villages aussi. Avec le scatter round. Fait de pouvoir placer ses archers tout ça. Allez, on y va direct. Non, vite! Suivez-moi! Bien, au moins les archers ils y vont direct. Enfin, les arbalétriers pour le coup. Oh la vache! Ils sont énervés là. Viens de battre! Je tire à l'arbalète même au corps à corps parce que c'est ce qui fait le plus de dégâts contre les armes, les troupes d'élite comme ça. Sinon c'est galère avec mon épée. J'ai du mal à leur faire des dégâts eux. Bon, il faut y pas tous crever de toute façon. Oh là là, l'image est belle quand même. Hein. C'est très 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 stylé. Merde! Eh ben chargez, chargez, contre-chargez là! Les laissez pas partir! Ils ont chargé mon mur de bouclier quoi! Non! Tuez-le! Ouh! Revenez!
remarque. On peut y aller, charger. On s'est gagné. Oh, c'est tellement stylé, les petites bannières au sol comme ça, penchées. Voir le champ de bataille après. Non mais c'est sûr que le jeu, le jeu en 2020, il était là. Et il était déjà cool, mais avec plein de bugs. Là, le jeu en 2022, avec des mods. Aïe, 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 aïe. Roland cœur de pierre, comment ça? Pourquoi? Parce que j'ai laissé mes camarades Kouzaït à la maison. Mais non, justement, je les ai fait se reposer un petit peu. Plutôt pas mal. Les mods désactivent les succès. Et oui, mais... Mais il y a un mod pour réactiver les succès. Achievement Unlocker sur Nexus. En utilisant les mods. De rien. alors là, j'ai failli misclick. Parce que l'habitude. Mais vous avez bien combattu, vous êtes libre de partir. Et du coup, je suis à 12 en relation avec eux. Et on monte à 19. Parfait. Je suis libre? Eh bien, au revoir dans ce cas. Va dire à ton padré que c'est moi qui t'a libéré. Alors que mon but à la... L'objectif de base était de te décapiter la tête. Formidable tout ça. J'aurais pu donner un peu plus d'XP à mes troupes. J'ai merdé là-dessus. J'aurais pu. Est-ce que je veux choper le château de Vérone? Pour le coup, les châteaux, m'en fout un peu. Plutôt le château, celui-là, il peut être pas mal. L'objectif, c'est d'avoir tout ça comme ça. Vérone, c'est un peu trop loin. Le problème, c'est que si je laisse des seigneurs se mettre entre... Ouah, Nogan, il a gagné des compétences en médecine, là. Il s'est fait dézinguer. Ah non, il a gagné un combat, visiblement. Mais ça s'est beaucoup battu. Vous avez même reçu un message important d'Arzagos, la quête principale. Que me dis-tu? J'espère que cette lettre vous parviendra. J'ai appris de mon espionne située au château de Hakun que nos adversaires ont établi un campement dans les environs. Elle n'a pas pu dire ce qu'il compte faire. Mais si vous attaquiez ce campement, voliez une partie de leurs provisions et me les rapportiez, une idée plus précise de leurs intentions. Explorez les environs du château de Hakun pour trouver leurs repères. Et du coup, c'est vraiment le château à l'autre bout du monde de ce côté-là? Non. Il est où, Hakun? Ah oui, non, pire, c'est bien pire. Je croyais que c'était sur l'ouest des Azerai, c'est-à-dire là, quoi. C'est encore plus loin. L'est, pardon. C'est compliqué. C'est compliqué, mon cher, d'aller faire cette quête en moins de 20 jours. En soi, mettre la guerre en pause pour ça, je suis pas contre. Non, il a été capturé, mon frérot. Et ben voilà. Caravane perdue. Franchement, les caravanes, je pense que c'est de la merde, hein. Je pense vraiment que c'est nul, les caravanes de A à Z. J'y trouve pas d'intérêt, moi. En vrai, je traverse si je vois des ennemis. Je les tabasse. J'ai envie d'aller faire la quête principale et tout. C'était quand même l'objectif du live à la base. Après, il y a des copains qui sont en galère. Hein. Ah, ils ont besoin de moi. Je vais les aider. Quand même. S'il y a moyen de gratter un petit peu au passage, on gratte. Je vais me mettre bien caché derrière, là. Hop, hop. Voilà. Allez, hop, planquez-vous.
Et on attend le bon moment, les gars. Préparez-vous, attendez mon appel. Non, non, vous n'allez pas sur les positions stratégiques. Vous attendez. Ah, mon tir de d'arme à distance fait plus de dégâts que le tien. Enfin, que les vôtres. Non, non, t'as pas le droit. Non, vous avez pas le droit. Ça suffit. Le fait d'avoir une armure lourde... Vous voyez, en fait, le fait d'avoir une armure lourde, c'est vraiment bien meilleur qu'avant. Hein. Les archers faisaient bien plus de dégâts à cette portée. Là, j'ai pris rien du tout. Alors qu'il m'a tiré à bout portant. Alors certes, ce sont des archers miliciens et tout, mais... Le nombre de flèches que je prends. Oh, mais il y en a un là-haut. Hein? Je m'améliore au tir. Moi, je dégarnis un petit peu ce mur-là. Ouais, je savais que ça allait partir dans l'endroit. Mais ça augmente mes compétences et tout. Moi, ça me va très bien. C'est bon, c'est bon. C'est... On est tranquille. Avec moi, avec moi. Aïe. Ça suffit. Vous n'avez pas plein de cul de me tirer des flèches? Vous voyez, mec, ça ne me fait rien. Ça ne me fait que me picoter. J'aime pas quand ça me picote. J'en ai esquivé une, mais pas deux. Bon, alors ils viennent, mes copains. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes très lent, vous êtes très très lent, messieurs. Bon. C'est le moment. Non, mais elle est où la deuxième échelle? Vite! Avec moi! Allez hop! Touchez pas à mes hommes! Voilà, barrez-vous! Le balancer sur la gueule, ça aurait été un délire. Non! Non! C'est bon, c'est gagné? Ah, il était juste derrière moi le dernier. Gagné! Voilà, je vais avoir augmenté mes compétences là. Plus d'arbalète, plus d'athlétisme, d'armes à une main, à deux mains. Et voilà, j'ai fait la plupart des kills. J'ai bien fait de venir dans ce siège. Ça aurait été très productif. Mes relations augmentent en plus avec les gens. Je chope des prisonniers en plus. On peut choper 2-3 gars au passage. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a des recrues dans mon armée? Non, il n'y en a pas. Je vais laisser de l'équipement pour que ça augmente les compétences de mon armée. Donc je prends seulement la bouffe, tout le reste, je le donne et ça fait de l'expérience pour mes troupes. Voilà. Parfait. Et ben on est parti pour traverser tout l'Empire pour le coup. Je vais juste aller vendre les prisonniers parce que c'est un peu chaud quand même. C'est un peu chaud de se balader avec... un milliard de prisonniers et d'être ralenti alors que t'es en plein territoire ennemi. Même si je suis assez serein avec le groupe que j'ai là. C'est rare qu'il y ait des seigneurs avec autant de troupes qui... Et avec autant de troupes d'élite. Qui se mettent à pourchasser le joueur ou quoi. Après il faudrait plusieurs groupes en même temps. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ne soyons pas trop greedy.
Je vends tout ça. Je vends mes prisonniers. Voilà. Et on y retourne. Les armes, elles ne donnent pas dissiper ici. Si, si. Il y a deux compétences. Il y a... dans intendance, du coup. T'as celle-là qui permet... Les armures dont vous vous débarrassez peuvent donner aux troupes... Enfin, peuvent être données aux troupes pour plus d'expérience. Et il y a ça qui dit... Les armes dont vous vous débarrassez peuvent être données aux troupes pour plus d'expérience. Quant à ces deux compétences-là, les armes et les armures permettent d'augmenter l'expérience donnée. Mon frère a réussi à s'échapper. Youhou ! Reviens avec moi. Et puis je l'enverrai en ville ou je sais pas. Comment je me démerderai. Mon roi, fuyez ! Et combien de défenseurs là-dedans ? Ils ont quoi comme armée ? Ils ont beaucoup de... Ouais, y a beaucoup de monde, hein. Après, s'ils passent à l'assaut ailleurs... Moi, s'ils assiègent un endroit, je veux bien me mettre devant et faire la défense, quoi. Mais là, ils vont où ? Ah, ils vont... Oh là là ! Oh là là, l'armée alliée qui va se faire dézinguer. Bon, après, moi, j'ai une conspiration contre ma gueule, hein. Et contre ma nation, et donc... Dans le lore, c'est pas abandonner la guerre que d'aller lutter contre la conspiration. Après là, ça risque d'être chaud quand même. Château de Vérone. Non ! Non, je... Attendez ! J'arrive ! Oh, c'est chaud. Oh, c'est tellement perdu. Ils ont des prisonniers ou pas? Non, ils ont pas de prisonniers que je vais pouvoir récupérer si j'ai beaucoup de pertes. Et là, on perd combien de seigneurs? Un mais deux. Caltide, un truc comme ça. Calatide, tilde. Cinq seigneurs qui passent à la trappe. Ils sont... Là, ils sont 62. Ils sont 400 en face. On sera 200 contre 400. Et bah, les impériaux, c'est pas l'armée des Sturgiens. Hein. Ils ont de la cave. Non, c'est pas possible. Désolé. Je suis arrivé trop tard. Oh non. Allez, la quête principale. On y va. Bon, les pillards, on va leur... On va les laisser. Allez hop, c'est parti. Salut Mister Dwight, dis-moi, Captain Fracal, comment vas-tu pour commencer? Ensuite, je t'assure, j'ai jamais eu autant de chance dans ma partie. Les Vlandiens ont attaqué les Sturgiens et m'ont donné 5 châteaux ainsi qu'une ville, que la ville de Veryl Varcheg. Que les villes, du coup. De Varcheg, Veryl Varcheg aux morts. Donc je me suis dit que... Je me suis dit, c'est le bon moment... de prendre mon indépendance, car les Bataniens étaient entre eux et moi. Ouais, tout à fait. Maintenant, ils me font la guerre, mais sont loin de moi, désolé, du pavé. Est-ce que t'as beaucoup de pognon? Parce que même si tu as beaucoup de territoires et tout, bah, tu dois en gagner pas mal avec tous ces territoires. Mais bon, les châteaux, ça coûte cher et ça rapporte pas tant que ça. Faut faire attention, faut avoir du pognon pour pouvoir faire des paix contre bah, les Bataniens, les Impériaux, tout ça. Mais pas mal, pas mal. Ils t'ont donné tous les territoires lointains du coup. Je pensais qu'au bout d'un moment ils allaient forcément donner à quelqu'un d'autre, mais très très bien, super. J'avoue que c'est pas mal. Quoi? Comment ça? Y a moyen de te bloquer ou pas? Oh, dans le... Ouais, y a carrément moyen. Non, j'ai raté, il fallait que j'attaque un peu plus par la droite. Je l'aurai jamais. Je ne l'aurai jamais. Est-ce que je vais arriver à temps? 14 jours. Ouah, c'est chaud. Là, il y a moyen de voir. Rebelle de Varcheg?
Ah bah oui. La fameuse. Que j'avais vu que c'était là. La merde. Hop là. Stop there. I would ask you for your name. Tu veux me demander mon nom? Ton décès. Un peu court, un peu court. Il aurait fallu un truc un peu plus long. Mais bon. 350K et j'ai 7K d'income, j'imagine, qui rentre vu que j'avais des Sturgiens et des Bataniens. Je les relâchais donc. Ça me coûtait rien. Non, bah pas mal. 350K si tu dois faire la paix avec tout le monde et forcer la paix avec tout le monde. Ça va peut-être faire un peu limité, mais si t'es en difficulté Bannerlord à voir, mais sinon, pas mal. Tu vas être très bien, hein, tu vas être très bien. Désolé pour la mauvaise lecture qui bafouille beaucoup. Un peu fatigué. Et puis, maladie sexy. Hein. On fait au mieux. Hein. Oh là là, le soleil! La lueur du cinquième jour! Regardez tout droit. On voit moins comme ça, c'est dommage. Là, on voit bien. Vous voyez? Tu me vois? Tu me vois plus. Bon, pas mal, j'ai mon armée avec tous mes petits archers, tout ça. Je suis en attaque. Donc, bon, on va juste aller les bourrer. Ah, mais ils sont juste devant, en fait. Cavalerie sur le flanc droit. L'infanterie ici en mur de bouclier. Et hop, on tire. Ah, il faut aller plus proche avec les arbalètes là et je vais pas avoir assez de munitions pour faire à cette distance. Du coup je les fais avancer petit à petit parce que en faisant ça, mes mecs se mettent à tirer. Ouais, ils avancent en tirant alors que si je leur dis d'aller là-bas directement. Paf, ils se mettent tous à courir directement. Ouais, et ils tirent pas en avançant. Alors que si je fais petit à petit comme ça, ils tirent tout en avançant. Oh les salauds. Battez-vous! J'arrive pas à les voir. Ils arrivent en place! Oh là, mais je me suis un petit peu enflammé là. Ouh, c'était chaud ça. Quoi? Ça m'a sorti le. Non, mais je voulais pas la torche moi, je la voulais pas! Je la voulais pas, garde-la ta torche de merde! Niquez-vous! Je voulais faire des kills à l'arme à deux mains, j'ai pas réussi! Bon alors, influence, renommée, formidable. Quelques morts sans plus. Pas mal. Lui, est-ce qu'il y a un intérêt à faire de bonnes relations avec lui? J'en sais rien. Non, je veux gagner des thunes plutôt. Hop là. Garde de caravane vlandé. C'est lui qui a dézingué ma caravane, 100%. 100%. Salaud. Je suis sûr que c'est ça. Qu'est-ce que je vais têche comme troupe nulle? Le problème, c'est que j'ai beaucoup de troupes haut niveau. Que du coup... pas trop envie de balancer des arbalétriers pour récupérer de la cave, quoi. Bon, allez, si, remarque. Deux petits arbalétriers pour contre deux bonnes caves. On ne dit pas non.
choper l'étendard du courage. A voir si c'est un niveau 3 ou non. C'est un niveau 3. Non, pas du tout. C'est un niveau 2. Ça donnerait moins 0,1 de renommée. De bonus. Réduction des coups portés au moral. Ça ferait moins 0,1 si c'était un niveau 3. Je crois. Bon. Pas trop intéressé, je la revendrai. Combien de jours il me reste? 14 jours. Allez, je passe par Diatma pour aller vendre tous les prisonniers. Merci pour le follow, Ensa Tuki. Il y a aussi Dondon Mo qui a follow tout à l'heure. Et Stole Taxi. Stole Taxi, j'imagine. Stole Taxi. Je sais pas. Non, ça c'est bon. Équipement, tout ça. J'aurais pu donner pour que ça fasse de l'XP. J'avoue, j'ai oublié. J'aurais pu. Un petit peu de forge là? Non, j'ai zéro temps. J'ai pas de temps. Donc, pas de forge. Hop, je vends tout. Allez hop, on chevauche. Et on va voir pour la quête principale encore une fois. La pénalité de vitesse de votre groupe lorsqu'il... La pénalité de vitesse de votre groupe lorsqu'il porte trop d'équipement est réduite de 20%. Augmente votre endurance de 1. Direct, ça m'augmente ma forge et tout. C'est formidable. D'ailleurs, il n'y avait pas un truc avec la forge par rapport à ça? Ça augmente le contrôle. Il n'y avait pas une histoire de vigueur aussi, je sais pas quoi. Je ne sais pas. Je me rappelle plus. Ah si, augmente immédiatement la vigueur de 1. Le contrôle de 1. Ah! J'aurais bien aimé que ce soit deux compétences séparées pour le coup. Est-ce que je préfère améliorer la vigueur ou le contrôle? Aucune idée, vraiment. Non mais là, il faut retourner chez les Kouzaïtes. Là, c'est le pèlerinage où on retourne, où on a commencé à faire nos premières armes. En tant que serviteur d'une faction. C'est beau, un petit retour aux sources. Repérer. Pas détecter. Bouf, ça m'intéresse pas du tout. J'aimerais bien le repérer aussi facilement en arrivant là-bas. Ah, mes seigneurs se sont fait défoncer. Tant que c'est pas mon château qui prend cher, moi, j'avoue, ça me va. Non, si mon château se fait assiéger, si ma femme se fait assiéger lorsque je suis à l'autre bout de la map, ça va chier des bulles, je vous le dis. Ma vengeance sera terrible. J'espère pas. Normalement, c'est pas possible. Ils vont prendre les châteaux avant et tout. Je ne crois pas. Alors du coup, la quête principale. Il me reste 10 jours pour trouver un campement dans les environs. Donc, pour moi, c'est un campement... Un hideout, quoi. C'est un camp de bandits, pour moi. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait cette quête. Je suis même pas sûr de l'avoir fait une fois dans ma vie. Il me semble que je les avais laissé passer, ces quêtes-là. Qui sont censées ralentir la conspiration. Repère. Bandit des steppes. Eh ben c'est pas ça. À proximité. Un groupe de conspirateurs agissant depuis un repère situé à proximité du château de Hakun. Vous devriez attaquer ce repère avec un petit groupe de guerriers pour prendre les bandits par surprise. Ah ouais, donc c'est vraiment une histoire de... Juste il y a le repère et il faut aller tabasser les bandits quoi. Je pense que c'est ça. Alors... Ça me met une icône comme quoi la quête principale elle est là. Mais en fait elle est là. On se moque de moi. Vite! Arrive avant que le jour se lève! Vite! Attendre la nuit tombée. Oh non! Oh non! Oh non! C'est pas grave, ça augmentera mon endurance. Comme ça je pourrais faire un petit peu de forge. Ding 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 ding. JPP, j'essaye de faire tomber les échelles en siège et ça ne marche pas.
J'ai loupé un truc sur l'utilisation de la fourche, je crois. Pourtant, tu utilises bien le bon truc. Il faut bien regarder au bon endroit. Des fois, sur certaines échelles, peut-être que ça va être un peu buggé. Mais de manière générale, il n'y a pas de souci, il me semble. Hein. Très bizarre que ça ne marche pas. Je vais prendre les herbes à l'étrier pour les faire level up. Ça va être pas mal, ça. Ça me semble être une bonne strat, comme on faisait au début. Salut, Cobra Sam. Bonsoir. Oh là là. Et ça a changé hein, depuis la dernière fois où on a fait un... Depuis la dernière fois où on a fait un camp de bandits, c'est plus le même look, je vous le dis. Ah la vache, la gueule du perso. Ça n'a plus rien à voir. Archers. Allez hop. Move. Bowman. Scott Archers. Feu volonté. Un peu bas. Mais bordel, j'arrive pas à toucher, c'est scandaleux. Oh, ça passe à chaque fois à côté. Un tout petit peu. Un peu bas. Voilà. Il y en a d'autres qui en veulent. Archers. Oh putain, mais oui, effectivement, il y en a d'autres qui en veulent. Et là, je te décapite, moi. Ils m'ont volé ma décapitation. Archers, forward. Bowman. Où ça? Ouh. Encore. On va les avoir. Ah mais du coup c'est des bandits différents de... J'avais pas remarqué mais c'est des bandits différents de des bandits d'Istep. Non quoique. C'est les mêmes. Oh j'ai pris tellement peu de dégâts que ça m'a même pas empêché de tirer disons. Je savais même pas que c'était possible. Oh par contre là j'ai pris cher. Encore, quelqu'un d'autre en veut? Allez, on y va ce coup-ci. Bah, ils vont où? Qu'est-ce qu'ils branlent? Ah, ils ramassent les carreaux. Bon, vous avez le droit. C'est bien, un peu d'économie, un peu d'écologie. Dans ce monde de bêtes. Vous croyez qu'ils m'entendent ou pas? Je suis pas sûr, il a pas l'air de m'avoir entendu. Form a line! Oh là là, ils sont beaucoup. Dégommez-les! Follow me! J'aimerais bien plus de quêtes scénarisées comme ça. Ça fait longtemps que je le dis sur Bannerlord, mais... ce serait vraiment intéressant d'avoir des quêtes où vraiment... tu joues pendant 30 minutes et c'est... Oh là là, la décapitation! Et c'est vraiment une quête spéciale et tout. Et y a plusieurs trucs à faire, tu prends des troupes à cheval avec toi, tu dois monter sur des chevaux, aller dans un village plus loin, pas besoin de repasser par la carte de campagne, et tu dois sauver des gens et défendre des gens d'un point A à un point B, ou vraiment il y a plein de trucs à faire. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de trucs comme ça. Mais bon, comme pour tout hein, dans le jeu, plus de profondeur, ça serait bien. Oh là là, la tête qui saute. Ça c'est gagné. C'est gagné. Oh là là. Ah non, mais en fait, c'est des troupes Kuzaït, hein, donc non. Mon plaisir, ça serait de ne pas faire le duel et tous les tuer. Mais comme j'ai pas envie de rater la quête principale, je vais faire le duel. Putain, il est chaud. Non.
Oh bah je lui ai mis deux coups, terminé. C'est pas mal de dégâts quand même mon arme, ça dépend des moments en fait. Ouais non, ils étaient vraiment beaucoup trop. J'aurais... Si j'avais... tenté la folie... ça aurait été compliqué. Parce que là j'ai toutes mes troupes qui sont restées en vie, 1, 2, 3, j'en ai 9 quoi. Eux ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ils ont été 10. Et c'était toutes des mecs prêts à se battre en infanterie quoi. Moi j'ai des arbalétriers flingués. On va éviter, on va arrêter le spectacle 2 minutes. Krablaus, merci beaucoup pour le deuxième mois en Prime. Coucou. Salut. Merci à toi, très gentil. Merci beaucoup. Paysan, tout ça. Rien ne m'intéresse. Et là, je veux que les chevaux et la bouffe. Le reste, je le laisse pour l'expérience de mes troupes. Et voilà. Et c'est pas la quête principale, c'est ça? Hijo de puta. Comment? Comment je suis censé faire? Approcher, demander à entrer dans le château. Hey! I don't think I know you. Non, on se connaît pas. Peace to you. Est-ce que vous avez entendu parler de... Non, visiblement, elle a pas entendu. La justice, c'est moi. C'était quoi ça? Nettoyer un repère. Oh, putain. Eh ben, j'espère que vous avez kiffé ce premier repère que j'ai que j'ai nettoyé sur ce live. Ever, c'était pas mal. Bon, j'ai eu 6 jours pour trouver. Mais il est où? C'est pas possible. Repère. Comment je sais lequel c'est bon? Si c'est pas celui-là, je vais tirer la gueule, je vous le dis. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas le petit... Va dans la ville avant ou tout proche. Je peux pas y rentrer? Va actualiser la quête. Comment ça? Il y a des impériaux dans le repère de la quête. Ah ouais? Et genre on voit que c'est des impériaux? Bon, je vais faire ça. Avant, je voulais check. Voilà, ça, c'est pas mal. La renommée gagnée lors des batailles est augmentée de 50%. Meilleur truc. L'autre truc, les troupes qui ne se replient pas, tout ça. Hop, la renommée qui augmente, c'est formidable. Ensuite, il y a un personnage qui est plutôt amélioré. Et on va dire que... Ouais, on va lui donner ça, on s'en fout. Maintenant... Je voulais voir si je pouvais pas améliorer les troupes que j'ai pris au combat d'avant. Bien sûr, je peux les améliorer. C'était bizarre que je ne puisse pas les améliorer. Voilà. Et du coup, j'enlève tout ça. Les troupes d'élite, on s'en fout. Je prends les troupes d'arbalète nulles. Et celle juste au-dessus. Voilà. On y va. Boom after me. Avec moi, on continue. C'est exactement le même camp de bandits, c'est pas grave. J'aurais bien aimé qu'il y ait un plus de variété et tout. De toute façon, voilà. Comme pour tout, plus de profondeur dans le jeu. Ça serait cool. Très clairement. Mais ouais. Ah, j'aimerais bien faire tourner la forge des combattants. La forge des combattants a une partie publique maintenant. Le but, c'est d'offrir plein de tutos aux gens et tout. Ça serait intéressant que d'offrir aux combattants la possibilité de... Faites feu à volonté, bordel! De dire, bah vous voulez aider, apprendre, vous voulez apprendre et en même temps aider, et ben vous pouvez apprendre en faisant une map de bandit, de camp de bandit par exemple. Et hop, je fais un tuto qui montre comment faire un camp de bandit, et après vous faites le concept que vous voulez. Et après on ferait des packs de maps et de concepts de la forge des combattants. Des packs de maps pour le multi, des packs de maps pour les camps de... Les camps de bandits, des packs de maps pour les arènes, vous voyez. Et puis, ça pourrait être marrant. Ça pourrait être grave cool.
Ils sont où? Je les vois pas. J'aime bien, j'aime bien. Non, mais oh là là, il m'a mis une tête. C'est moi qui te mets des têtes. Allez, on y retourne. Par contre, j'ai pris un peu trop de dégâts sur le tir là, je suis un peu déçu. Je suis un peu moins serein pour le duel pour le coup. Quelqu'un en veut? On va y aller en mode SWAT. FBI, open up! Je sors ma gatling. Je sors la matraque. Hop là. Et j'avais commencé une map de hideout et le but c'était de refaire un peu la Moria mais en mode temple abandonné de l'Empire. Mais j'ai jamais terminé. Et elle était vraiment pas top la map. Pour être honnête. Après, il y a peut-être moyen de faire mieux. Par contre, j'ai pris trop de dégâts à force, là. À faire le kéké, à passer toujours en première ligne, à prendre des flèches. Parce que là, j'ai peu de vie. Hein. Wouah ! Je peux me faire one shot par cette arme. Et j'ai pas mon bouclier de sortie, et je vais pas le sortir. Concentré. Putain ! Ça va, vous ? L'épée est un poil courte. Un poil courte. Je lui ai frôlé le nez. Je lui ai frôlé le nez et j'ai pas touché. Et bah espérons que ce n'était pas le truc de la quête, hein. Il semblerait que non. De toute façon, il faut que j'attende la prochaine nuit, du coup. Alors, je me suis déjà baladé par là, mais... Non mais ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Je n'ai pas le truc. J'aimerais entrer dans le château mais je peux pas. It's been a while. Eh meuf. Tu me laisses entrer pour 10 000? Non, j'ai raté. Normalement, il y a un point. Non, il y a un point, un côté du repère sur la map. Il y a un point d'exclamation comme ça? Sur le repère de la quête? Tu vois direct si c'est pas un repère normal. Bon, le seul endroit où je suis pas allé voir, c'est par là. Et là, il me reste 4 jours, quoi. C'est un scandale. Un point blanc. Oh putain, il est là! J'ai failli le rater. J'ai failli continuer comme ça. Oh la vache. Oh, c'était pas loin. C'est bon. Ouh. Ça, si j'avais pas eu ce timing là, ça aurait été chaud pour l'avoir. Ça aurait été con d'arriver pendant la journée où la quête s'annule et j'attends la nuit et paf, la quête s'arrête. On l'a trouvé. J'attends la nuit. Bon, ce coup-ci... Je fais pas de bêtises. Oh, mais peut-être que ça va être compliqué pour le coup, là, du coup. Si, Allez, tous mes arbalétriers ont maintenant des boucliers, donc plus trop besoin d'améliorer. On va y aller avec du banneret, pour le coup. Banneret ou sergent? Plutôt sergent. Banneret, ils vont être lents.
Allez hop, on y va. Thunder, follow me! Avec moi, mes chevaliers. Oh putain, la descente du SWAT chez les impériaux. Allez, on y va. Je vous suis. J'ai raté. Oh lui. Il est à moi. Oh, je fais pas tant de dégâts que ça. Move to enemy. Est-ce qu'ils avancent en formation? Move. Closing. Absolument pas. Ça ne marche pas. George! Come on! Ils ont tous des caps sauf moi pour le coup. C'est moche la cape. C'est mieux sans. Nature! Les troupes dans le repère sont fortes, on m'a dit avant. Effectivement, elles sont pas mal. Elles ont pas de troupes, elles ont pas d'armes de distance par contre, donc ça va. Si un truc vraiment compliqué à faire, ça aurait été des troupes comme ça mêlées à des troupes de même niveau mais qui ont des arcs et flèches. Là, ça aurait été vraiment un vrai petit challenge, je trouve. Là, oh, ça va. Plutôt ok là. Il roupille ou quoi? Dans ma campagne, il attaque de 1000 fois plus loin. C'est vrai que je les trouve un petit peu lents là, mais c'est peut-être parce que je suis au corps à corps. Et que je leur tire pas des flèches de loin, tu vois. Je sais pas trop. C'est vrai que j'ai une sensation que ils sont moins réactifs que d'habitude. Allez, on y va. C'est une caverne. À la queue le. Tout le monde s'éclate. À la queue le. C'était bien nul ça. Je balance mon... J'ai balancé mon arbalète. Ouh, le boss est chaud. Tiens, ne serait-ce pas l'incroyable Roland? Vous êtes une épine dans notre pied depuis un moment maintenant. C'est bien que vous soyez là, ça va nous éviter de devoir vous traquer. Oui, pas de soucis. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi j'ai tous mes chevaliers. Je suis midlife. Mes chevaliers ont pris beaucoup de dégâts. J'ai plus mon arbalète. T'en manque un. Non, tu as perdu un homme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui. Et vous voyez, ils sont tous ensanglantés. Oh là là, regardez-moi. Ce style de mes hommes là. Avec full sang là. C'est magnifique, attendez. Donnez-moi un instant, pardonnez-moi. Voilà. C'est tout. Vous pouvez procéder. Au duel, c'est l'heure! Duel! Non, j'ai. Je suis trop con. Allez, mes hommes! Battez-vous! Ça va, les bannerets ont été bons, les bannerets. Les sergents ont été bons, ça va. Oh merde, putain.
Ah, le biscuit. La miniature, non, c'était trop flou pour la miniature. Ah, par contre, j'aurais pu faire une petite photo pour le coup. Hop, hop, comme ça. Tac. Ah, vous voulez voir comment je fais une miniature? C'est comme ça. J'ai gagné. J'ai ma miniature. J'ai gagné le hideout. Et la conspiration va se calmer. Pourquoi est-ce que je ne peux pas prendre les combattants? Les combattants conspirateurs? Qu'est-ce que vous venez faire là-dedans? Vous m'avez caché des choses? C'est vous depuis le début, c'est ça, hein? C'est donc vous! J'ai toujours su! C'était trop suspect quand vous donniez tous ces subs! Qu'est-ce que c'est ça? Non, bon, on peut pas prendre les conspirateurs, là. On peut pas prendre l'homme à la moustache. Tant pis. C'est tant pis. Et les paysans, c'est non. Oh, il y a des armes sympas, là. Après, il y a de l'XP à donner aussi, donc bon, on m'en fout un peu. Pour le coup. Ouais, c'est du niveau 4 en plus, donc non. Je prends ça, les chevaux, et après, je donne l'XP. Complotiste! Hein? Théorie du complot! Je vais vous faire brûler! Sur le bûcher! Ah, bien sûr. Non, c'est honteux. Au bûcher, les traîtres, exactement. Au bûcher! Sur le bûcher! J'aimerais bien que ce soit. Je vais boire un petit coup, moi. Boire un petit coup d'eau, puis on boire un petit coup d'eau. La VOD YouTube! YouTube! Ça va couper la vidéo, ça va couper! Ça va. Couper! Ça va. Couper! Non, attendez. Non, mais attendez, faut que je me concentre vite fait là. Vite, faut que je supprime ça. Vite. C'est bon? C'est gagné ou pas? J'ai regagné de l'expérience? Non? Ça marche pas? Mais supprime! C'est bon. J'avais plus d'espace sur le disque. Et la VOD a failli être buggée du coup. Tout va bien. Ça me demande du montage et tout. Ça me demande un temps d'exportation de la vidéo immense. C'est trop chiant. Donc c'est bon. C'est réglé. Oui. C'est gagné. Woo! Yes, we did it. Puissance de la conspiration. 1052. Donc c'est bien, on a bien diminué la conspiration, j'ai l'impression. Ah ça, la guerre fait rage dans le nord. Hein. Écoutez, on va avancer vers chez nous. On va faire un petit peu de forge vite fait là. On a un peu de sous, on en s'est reposé. Très vite fait, on va pas non plus bombarder pendant des plombes, mais là ça va monter assez vite avec. Ce qu'on a débloqué il y a pas longtemps. Les armes chères perso, plus de 1000 gold. Je les garde quand même. Elles rapportent pas tant d'XP que ça. Ça fait l'XP de l'arme, de 3 armes déplorables. Ah ouais, pas tant que ça? Ah j'avoue, je sais pas. Pour moi, plus l'arme est chère, plus ça va donner XP, mais j'ai jamais vérifié la théorie, j'avoue. J'ai jamais regardé le détail. Donc peut-être, effectivement. Bon, alors je vais fondre... ça. Ça. Ouais, les trucs de niveau... les trucs de rang dégueulasse... on ne déforge pas. Voilà. J'ai niqué 50% de mon influence là-dessus. Pas sûr que ça va aller pour le coup. Pas sûr de ma connerie là.
forge. Je veux forger une arme. Je veux forger Crow. Mais une nouvelle version de Crow. Une version formidable. Est-ce que j'ai débloqué des trucs mieux? À demain. Bon bah non. Juste une version. Ah non, je veux Crow, mais en plus long. C'est vrai, c'est ça. J'ai installé le fixe grâce au mod disponible sur Nexus. Disponible sur Nexus. Weapon Grip Fix. Et on va tester si ça marche. Trop content. Donc là, je vais prendre la lame qui m'intéresse le plus en termes de dégâts et tout. C'est-à-dire... celle-ci, pour le coup. Ouais. C'est ça qui m'intéresse le plus, hein. Ah, 65. 59. 63 ici. Oh! Pas mal du tout. On peut partir en mode katana, mais bof, m'intéresse pas trop. Alors là, contre celle-là, on est sur une arme qui fait moins de dégâts des stocks. Une arme qui... portée de l'arme qui est un peu plus longue, mais bon, je peux augmenter la portée moi-même, du coup. Donc on s'en fout un peu. Le poids de l'arme est vachement augmenté avec l'autre lame, du coup j'imagine que la vitesse... Vitesse des stocks, 90, 83. 93, 90, ah ouais quand même. Hein. Quand même, quand même. Mais du coup, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? J'ai envie de dire. Hein. Parce que la vitesse, certes c'est bien, mais les dégâts, c'est mieux. Et là on va aller faire 74. Ah. Et on a un sweet spot où on fait 40 de dégâts des stocks. Mais à vrai dire, tant pis quoi. 95 de dégâts d'arme à deux mains. Oh, ça va être bien ça. Oh, ça va être très très bien même. Allez, on y va comme ça. Avec l'arme la plus longue possible. Et on va voir ce que ça va donner. Peut-être que... Non, mais peut-être pas la plus longue possible. Fais voir à une main. S'il y a des gros changements entre là et là. Vitesse de maniement. Je gagne 2 points. Et je perds 2 cm de portée. Non, même... non. Je perds 3. Allez, la plus longue possible, on est là pour le show! Mais tu fais jamais des stocks. Si, quand j'ai des ennemis avec une grosse armure en face de moi, je fais des stocks. Lorsque j'ai des ennemis avec une armure légère, je fais des coups tranchants. Voyons. Voyons, voyons. Après, quand t'es à cheval à full vitesse, c'est dur de mettre des stocks aussi. Vas-y, go! Fais-moi rêver. Crow avec un S. Oh, Crow avec un S parce que c'est la nouvelle arme. C'est parfait. Vas-y, je vais en forger une autre. Crow avec un... Ah merde. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Crow avec un S. Dégâts des stocks un peu moins, mais vitesse de maniement et maniement augmenté. Ah non, mais j'ai raté. J'ai raté mon Crow avec un S. J'ai mis Crow... J'ai pas mis le C à la fin. Alors... c'est la même chose ou pas? Plus de dégâts tranchants. Ah ouais, le dégât tranchant à deux mains, là. À deux mains, c'est monstrueux. Monstrueux. Mais du coup... Ça, c'est la... Il y en a une qui est buggée. La dernière, elle est buggée. Mais là, elle est bien. L'avant-dernière qui a été faite.
Et du coup, si je prends ça et je regarde. Ouais. C'est la dernière que j'avais faite, elle était bien, mais elle est buggée. je suis très déçu. Très très déçu. Very much déçu. Je vais essayer de reforger. Parce que là, il y a un délire. À demain. À demain, 18h30, si vous voulez voir la suite de l'aventure, combattant. Des gros bisous. Il y a un monde où j'arrive à avoir des meilleures stats par l'aléatoire. Parce que j'ai des compétences qui me permettent d'avoir des meilleures stats. J'ai 10% de chance d'avoir de meilleures stats. Alors du coup, c'était celle-là qui avait bien marché. Et on va aller chercher la taille de lame maximale. Et hop, je forge. Aucun bonus, aucun malus. Je forge. Aucun bonus, aucun malus. Je forge. Ah, j'ai pas de chat là. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je vais oublier cette image de ma tête. Je veux que cette image sorte de ma tête. C'est dégueulasse. Allez, on y croit. C'est la bonne. C'est maintenant. C'est non. En plus, elle est buggée directement là. Qu'est-ce qui fait que des fois c'est réglé et des fois non? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est quoi cette tétine? Ah, c'était pas très stylé, hein. Je vais juste déforger les armes que je viens de forger. Il y a juste la non buggée, je vais juste la donner à quelqu'un d'autre. Tel que mon frérot. Qui mérite d'avoir une meilleure arme que ce qu'il a actuellement. Et voilà, tout le reste, on va déforger. La Tomsa 5, on la déforge. Toutes les armes buggées, on déforge. J'ai plus de charbon. J'ai plus de charbon. Yes! Le miracle est arrivé. Allez hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bam. 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 Ça m'augmente grandement mes compétences là derrière. Hop. 108. C'est très bien. Et au niveau des unlocks pour les armes à deux mains, j'ai débloqué une nouvelle lame. Très courte. Mais... ah non, c'est arme à une main, ça. J'ai débloqué deux nouvelles lames. Deux nouvelles lames. Mais c'est encore la très courte, pour le coup. Et là, des manches. Manches dégueulasses. Manches dégueulasses. Alors que ça... C'est pas dégueu. Ah. Bah y a un monde où je prends une lame comme ça et je la fais vachement longue, genre. Mais bon, on est sur une portée d'armes assez limitée quand même. Ah, je tente une gros 3 avec 2 S. Ah non, mais c'est un manche d'arme à deux mains. Ah non, c'est une lame d'arme à deux mains. Donc, je partirai là-dessus. Là-dessus. Comme ça. Ça. Portée de l'arme. Comme ça. Et on termine sur la touche finale. On dirait un peu l'épée de Boromir, j'aime bien. Il y a un délire épée de Boromir en tout cas. Qui me tente bien. Avec une lame comme ça. Et Boromir il se bat avec une arme à deux mains et une main.
Est-ce qu'il y a moyen que je trouve un truc qui ressemble un peu à l'épée de Boromir? Difficilement. Difficilement, difficilement. Ça ressemble bien à l'épée de Boromir, ça. Tu es bientôt au tier 4 pour la forge à demain. Non, non, je commence à arriver dans le tier 3. Donc on n'y est pas, hein. Très clairement. Hop là. Voilà, ça ressemble à ça. C'est pas le mieux du mieux, mais on one-shot avec un coup. Donc, bah, l'arme est mieux, quoi. L'arme est juste mieux. On va la comparer à l'autre, mais... Mais très clairement, ça va être celle-là qui va partir. Même si j'aime moins la lame. Par contre, la portée... Ouais, non, la portée de l'arme est dégueu. Je vais forger, et on va voir. Ah, voilà. En tout cas, ça a l'air d'être réparé. Crow avec deux S. Ah, par contre, elle est plus compliquée... elle est plus dure à faire que ce que moi j'ai forgé. J'ai l'habitude de forger, donc... C'est de la merde. Oh, la lame dégueulasse. C'est pas très beau, hein. Allez, hop. Au moins, ça m'augmente mes compétences, c'est très bien. Oh, le truc aussi gros que tout le métal qui a été utilisé pour l'épée entière. Voilà, attendez, hop, comme ça. Voilà. Autant de métal dans ce pommeau que dans le manche, la garde et la lame. la garde est plus courbée chez Boromir, je sais. Mais le problème, c'est que j'ai pas de garde courbée en niveau 2. Je sais, mais... Ah, y a celle-là qui aurait pu plus faire l'affaire, effectivement. Mais au niveau des statistiques, c'est moins bon, je crois. Je crois que c'est moins bon. Et puis, le look est moins bien, quoi. On reste sur le côté croc, pour l'instant. Et si on peut faire une vraie épée de Boromir plus tard, on fait, hein. Très clairement. Entre ça et ça... Ça, c'est un peu trop épais, un peu trop... Hein ? Et voilà. Hop. Mais j'ai pas mis un C, un autre C à la fin. Oh, bah c'est cross, du coup. C'est devenu... De croc, c'est devenu cross. Dégâts de taille. On fait plus de dégâts de taille. Juste la portée de combien ? Ah ouais, on perd tellement en portée. On perd tellement de portée. Ah ouais, on retourne sur une épée petite, quoi. Mais, bon. Dégâts de taille, on est à 73, quand même. Dégâts tranchants, arme à deux mains. Dégâts de taille, on est sur du one-shot, quoi. Les stocks, on est moins bien. Ah, on est sur une stock moins rapide. Non, moi j'aime moins celle-là. Ça va être pour un de mes persos. Allez, ça sera pour toi, madame. Kiffe bien. Parfait. 10 de dégâts de plus en taille. Ouais, mais la longueur le joue vachement. On l'a vu dans le dernier Camp de Bandit, hein. La longueur va jouer vachement. J'ai raté mon adversaire, je suis mort parce que j'ai pas touché mon ennemi. Donc je préfère le stun et qu'il puisse pas m'enchaîner un coup. J'ai envie d'avoir une arme hyper longue et puis on va tester si je vois que je veux réduire. Mais jusqu'à maintenant, j'ai trop eu d'armes trop petites. Dû au fait qu'il y a le bug dans le jeu. Quel est ton mode pour la gorge? La forge, j'imagine, STP. Le mode pour régler le problème de la forge, c'est celui-ci. Weapon Gap Fix sur Nexus. Je vous mets le lien dans le chat, là. Hop. Voilà. Si vous voulez installer ça, ça règle le problème pour la longueur des armes dans la forge. Je suis tombé dessus par hasard, là. Je suis très content d'avoir trouvé ça. Offre de paix? Comment ça? Comment ça, la paix? Foutez de ma gueule? Je veux juste tabasser quelqu'un, moi. C'est tout ce dont j'ai envie. Une caravane transporte des armes. Encore la conspiration?
d'une Glanis. Chez les Bataniens. C'est au même endroit que sur le front, donc pourquoi pas. On y va en tout cas, on y va. Ah ouais, non mais là il va falloir lui courir après, dans tout cas le radillage quoi. Château de Vérone a été pris. Non, ça je m'en fous. Vers Akala. Quoi? Une Glanis? Oh fuck. Forcément je la croise. On ouvre les yeux. Combattant, normalement, il y a la caravane qui me croise. Je viens de la ville vers laquelle elle va. Et la caravane part de Dune Glanis, donc elle est sur mon chemin. C'est pas possible que je ne la croise pas. Ça serait un scandale. Ça serait honteux. Château de Vérone, je m'en fous. Faites la paix avec l'Empire. Ah merde. Non. Je peux pas voter contre. Tant pis, la paix est signée. Elle part dans 5 jours. J'ai pas lu. J'ai pas lu, j'avoue. Je vais lire. Comme on est en paix, autant choper le château, j'ai envie de dire. Comme on est en paix. Autant gagner un peu de thunes. Et je le donne au moment où la guerre arrive. Ça. Alors du coup, on relit. Une caravane transportant des armes à destination des conspirateurs se mettra bientôt en route. Ah, dans 5 jours. C'était il y a 2 jours, ok. Donc je reste sur cette voie et je vais directement vers la ville. Ok. Et normalement ça va réduire la conspiration, c'est ça, si je réussis la quête. Mais moi j'ai envie que la conspiration elle m'arrive dans la gueule. Hein. Y a pas de souci. Mais j'aime bien le côté se balader dans tout Calradia pour aller faire les quêtes et tout. J'ai vraiment merdé sur la séparation des VOD pour le coup là. Il y en a une qui dure 1h15, il y en a une qui dure 2h. Désolé YouTube. Désolé, on fait notre mieux. Ça Sagérès, bienvenue. Bon, alors, normalement là sur mon chemin... Ah, ça y est. La caravane se déplace de Dune Glanis vers Varsheg. Quoi? Mais j'ai rien compris! Connasse! Ça me dit la caravane va partir vers Akala? Akalat? La ville qui est dans mon dos? Et après vers Varsheg? J'arriverai avant elle. Ah, Akala, c'est la destination finale? Je ne sais plus. C'est peut-être ça. J'avoue que j'ai lu de diagonale avec des yeux qui, de base, sont en diagonale, quoi. Donc, pourquoi pas. Ah mais non, mais on la voit sur la map. Oh, moi j'étais en mode, il faut se mettre et puis avoir les yeux grands ouverts comme ça. Mais il faut se mettre sur le chemin et... Mais non, on est tranquille. 140! Une caravane avec 140 pecnos dedans. J'ai jamais fait cette quête. J'ai jamais fait les quêtes de la conspiration en fait. Je m'en rends compte. Dans l'hiver et le froid et la glace, nous allons tabasser cette caravane de la conspiration. Mais ce sera pour demain à 18h30. Ouais, il est 20h16, combattant. Et j'ai un autre petit truc à vous montrer pour live. Mais pour YouTube, du coup, ce sera pour la prochaine VOD. On va se tabasser des impériaux dans la prochaine VOD. Pouce bleu, commentaire si vous avez aimé. C'est formidable, j'ai hâte de tester l'arme avec laquelle on va swinguer dans nos ennemis, la nouvelle arme et tout. Ah, je viens d'arriver. Non, mais il y a un autre truc pour live,
Mais on va s'arrêter là pour YouTube. Merci beaucoup d'avoir suivi ça. Je vous fais des bisous. On se retrouve au prochain combat. Ciao, ciao.